Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte et je suis heureux de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle en compagnie de l'inspecteur ecclésiastique Élisée Mayanga, qui, avec moi, vous souhaite une très belle fête de Pentecôte. C'est important cette fête, parce que nous avons cette impression que l'Esprit Saint, c'est le parent pauvre de la Trinité. Nous connaissons l'action du Père, et dans le Credo, nous disons d'ailleurs, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et nous connaissons l'action aussi du Fils, Jésus le Christ, c'est-à-dire la passion et la résurrection. Nous sentons l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils. Quant à l'Esprit, l'Esprit Saint, ce n'est pas évident, parce que l'Esprit Saint se donne à l'intime de chacun, de chacune de nous. C'est à travers les fruits de l'Esprit que nous sentons sa présence parmi nous. Comme l'a dit Jésus, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet. Et le Paraclet en grec, c'est celui qu'on appelle à l'aide, le consolateur, celui qui nous accompagne, l'avocat. L'Esprit Saint, c'est effectivement notre consolateur, c'est aussi le point de départ de la mission. C'est celui qui a été donné aux disciples qui étaient apeurés, un peu inquiets, et qui en a fait des apôtres, des envoyés, capables d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Il est intéressant de voir que Saint Paul, comme Saint Pierre, quand il rencontre des croyants, il leur demande: Mais est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Moi, c'est une question que j'aimerais bien poser aux fidèles. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Rappelez-vous, et à ce moment-là, eh bien, devenez ce que vous êtes, c'est-à-dire des envoyés. C'est important parce que quand Dieu travaille, il travaille toujours avec nous et pour nous. Jésus a commencé la mission, il laisse la tâche à ses disciples et avant de partir, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et c'est pas par nos propres forces que nous pouvons accomplir sa tâche, c'est précisément parce qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est aussi cette conscience qui témoigne en nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. C'est cette conscience qui nous donne aussi la conscience du bien et du mal, mais aussi la conscience de se dire, nous sommes appelés à témoigner, à vivre et à poursuivre la mission de Jésus. Ça me paraît essentiel pour la vie de l'Église. Tout à fait. Et pour vivre des dons de l'Esprit Saint, eh bien, il faut les demander. Si nous nous fermons à ces dons, malheureusement, il ne pourra rien faire. Alors demandons pour nous-mêmes les dons de l'Esprit Saint, mais aussi pour les autres. Moi, j'ai envie qu'on prie les uns pour les autres, d'une communauté pour l'autre, afin que nous soyons davantage emplis de l'Esprit Saint et davantage témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est très important de prier les uns pour les autres, mais d'être aussi ensemble. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est donné aujourd'hui, dimanche de Pentecôte, ça s'appelle aussi l'esprit d'unité et qui tranche avec cette expérience malheureuse de la tour de Babel où il y a la dispersion des langues. Le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de pèlerins à Jérusalem. Il nous est dit, quand Saint Pierre parle, chacun les entendait les disciples dans sa propre langue. C'est l'esprit d'unité, cette unité que nous pouvons afficher ici dans l'aire urbaine, protestants et catholiques, j'ajoute aussi les orthodoxes, les évangéliques, travailler ensemble. Il est important de travailler ensemble. Voilà une bonne occasion pour demander à tous les chrétiens de l'aire urbaine, s'ils le veulent, de vivre un événement commun qui est celui du Forum chrétien qui aura lieu le samedi 3 juin à l'église de la Prairie à Montbéliard et qui rassemblera des protestants, des catholiques, des évangéliques, tous unis dans un même partage de leur foi et puis un même désir de pouvoir annoncer au monde ce qui les fait vivre. Et que l'esprit de vérité nous éclaire. Qu'il nous éclaire et qu'il nous envoie. Très belle fête de Pentecôte à tous.